Ok, donc c'est parti pour ce nouveau rapport de bataille sur Dust 1947. Et donc cette fois-ci, on va jouer sur un scénario qui s'intitule « Tenir la ligne ». Donc scénario inspiré du livre de règles, hein, avec quelques petites modifications tout de même apportées à ce scénario. Donc il va y avoir un attaquant qui va se déployer par ce bord de table. Et son objectif sera de se rendre évidemment de l'autre côté de la table tenue par le défenseur. Alors le défenseur, lui, par contre, va pouvoir se déployer jusqu'à portée 4 de son côté. Et donc ce qui nécessite le fait qu'il va devoir déployer toutes ses unités avant le début de la game, avant le début du premier tour de jeu. Les conditions de victoire, c'est que l'attaquant est, avant la fin du tour 6, parce qu'on va jouer sur 6 tours de jeu, atteint donc le bord opposé tenu par le défenseur. Si 50% de ses unités y arrivent, il remporte la partie. Le défenseur, lui, s'il détruit 50% de l'unité adverse avant qu'il ait atteint donc sa ligne de défense ultime, donc le défenseur remporte la game toujours avant la fin du tour 6. Si à l'issue du dernier tour du jeu, du tour 6, l'attaquant n'a pas été en mesure d'arriver de l'autre côté de la table et qu'il a toujours plus de 50% de ses effectifs, en point d'armée évidemment, donc là on départagera le vainqueur en additionnant les points d'unité détruites adverses. Voilà. Que dire d'autre? Bon, bah, un terrain assez dégagé. Oui, alors il y aura les conditions météo. En fait, on va jouer avec les effets météo qui seront cette fois-ci modérés. Donc, en clair, ça veut dire qu'au premier tour de jeu, le joueur va lancer 3D, celui qui a l'initiative, qui remporte l'initiative. S'il obtient deux symboles cibles, l'effet météo va pouvoir commencer. Donc, ce qui veut dire que, comme il s'agit d'un effet météo modéré, les lignes de vue, bon, on reviendra dessus en détail, mais bon, il va être limité en portée. Les unités obtiendront des sauvegardes de couvert, même si elles sont à découvert. Donc voilà, mais bon, ça, on rentrera plus en détail. Je crois que la ligne de vue est limitée à 8. En fait, c'est un vent de sable qui s'est levé. Et à portée 5 ou plus, vous avez une sauvegarde de couvert systématique. Alors, Benoît, t'as pas d'aéronef, hein ? Non. Donc, parce que je joue avec Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour. Voilà, ça c'est fait. Donc, Benoît qui est là-bas. Et Benoît, il va jouer du... Ici, il va jouer du Steel Guards. Du PLA. Du PLA, pardon. Ah, du PLA. Donc, du filament. Et moi, je vais jouer des Heavy Grenadiers. Donc, on va déterminer l'initiative pour le premier tour de jeu. À l'issue, on va déterminer si les conditions météo sont actives ou pas. Et on va aussi déterminer qui va jouer le rôle de l'attaquant et du défenseur. Ce sont les dés qui vont déterminer ça. Ah oui, dernière règle spéciale à ajouter. On aura droit, chacun, à une réserve de 2 unités pour cette game. Ah, très bien, donc nous allons déterminer à l'aide d'un G2D. Donc déjà, ben, on va déterminer qui prend l'initiative sur ce premier tour de jeu. D'accord ? Non, on ne fait pas d'abord défenseur-attaquant. Oui, remarque, ouais, remarque. On fait ça ? Défenseur-attaquant. Défenseur-attaquant. Donc, on va faire quoi ? Alors, en fait, c'est simple. Toi et moi, on va jeter 3D chacun. 3D. Celui qui remporte le G2D. Donc, on va appliquer le même principe que pour le G d'initiative. Ouais. Donc, on départage s'il y a des cibles, si on a égalité avec les symboles. Et celui qui remporte, en fait, ce jet choisira s'il décide d'être l'attaquant ou le défenseur. Ça te va ? Ou bien le... Ouais, comme tu veux. Ouais, on fait comme ça ? Allez, c'est parti. Allez. Alors moi, j'obtiens... 3 symboles, moi. Oh bah... Voilà. T'es en force, ça te calme, hein, direct. T'es en force, ouais, ça calme. Hein. Ouais. Donc du coup, tu décides de jouer quoi ? Est-ce que tu veux être l'attaquant ou le défenseur ? Bah je vais essayer l'attaquant. D'accord, donc tu te mets en attaque, ça marche. Je me mets là et puis j'essaye de sortir. Ok, c'est ça. Hein. C'est, ouais, c'est ça. C'est celui qui doit faire sortir ses unités. Tout à fait. Ok, maintenant, comme tu as remporté le jet d'initiative, tu vas relancer 3D pour savoir si les conditions météo modérées se déclenchent sur ce premier tour de jeu. Donc tu obtiens 2 symboles et une cible. Donc ça ne sera pas suffisant puisque je rappelle qu'il fallait obtenir
de cible pour que l'effet météo modéré se déclenche sur ce premier tour de jeu. Ok. D'accord ? Très bien. Donc, ok. Donc moi, je vais du coup déployer, comme je suis en défense, toutes mes unités en premier. Et à l'issue, on va pouvoir attaquer donc le premier tour de jeu. Ok. Donc la petite présentation quand même de l'armée de Benoît. Alors Benoît, je te laisse vite fait nous présenter ce qu'on a. Alors vas-y, alors, fais-moi plaisir. En héros, j'ai Phoenix et Dragon. Ouais. Que tu vas jouer en binôme ? En binôme, dans une escouade d'infanterie. Ouais, parce que c'est autorisé, effectivement. Voilà. Après, j'ai le professeur Sun, qui est très bien parce qu'il empêche en fait l'adversaire de soigner ses unités. Ouais. Et s'il a un ordre de réactivation, je peux lui faire relancer le dé. D'accord. Donc c'est très bien contre les escouades de commandement. Ouais. Après, j'ai deux escouades d'infanterie basique. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est juste des pistolets mitrailleurs. D'accord. Là, j'ai une escouade qui s'appelle... Tu pouvais éditer, traîner tes tables, toi, merci. Ben, la démolition, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont deux lance-flammes, deux RPG et des fusils automatiques. Ouais. Mon escouade de commandement, donc avec un mécano, un médecin, etc. Ok, ouais. Une escouade d'artillerie. D'observateur. D'observateur d'artillerie. Oh, saloperie. Ensuite, ben, j'ai Red Rain, ouais, donc, l'artillerie. Visiblement, les mecs sur ton Red Rain, là, ils sont en grève et ils sont pas dessus, c'est ça hein ? Parce que c'est hyper galère à mettre et à peindre, je t'explique même pas. Alors j'ai l'intention de les peindre, même si je peins très lentement. Hein, faut, Là, tu fais passer un message, quoi. Ouais, je fais passer un message, c'est un peu galère. Ouais, c'est galère. Bon, j'ai d'accord. Deux. Oh, c'est beau. Deux unités de Nina TSH. Alors là, la différence, c'est qu'en fait, ils ont une mitraillette, ils ont une machine gun. Ouais. Et après, c'est triple RPG, donc ça, c'est anti-char en fait. Hein. Ouais, d'accord, ouais. Et là, ça, ces deux-là, c'est anti-infanterie, donc avec du phosphore. Ouais. Et ça, c'est anti-aérien avec une arme qui fait salve. D'accord, ok, salvo, etc. Effectivement, voilà. La compétence. Donc en fait, alors, petite précision, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce type d'armée, hein, donc l'armée du PLA, c'est du rang 1. Hein, c'est du rang 1. L'infanterie rang 1. Voilà, c'est pour ça que. Donc Akashi, absolument. Voilà. Parce que sinon, on éternue dessus et ça part. Et ça te fait combien d'activations du coup au total ? Ben, comme les héros seront dans des unités. Ouais, je crois 11 activations. 11 activations en tout. 11 activations en total. 4 d'infanterie. 6 véhicules et les observateurs de... Ok, bon d'accord, c'est super. Alors, du coup, on va passer à une présentation rapide de mes forces en présente. Donc, je rappelle, hein, c'est Benoît qui va jouer le rôle de l'attaquant et on voit qu'effectivement, il s'est bien mis dans une disposition d'attaque. Ok, c'est après, parti. C'est pas une liste qui a été créée spécialement pour. Hein. C'est une liste polyvalente que je joue... Je sais, j'ai habitude... Je les ai déjà affrontés. Mais moi, bon, elle se profile quand même bien pour le scénario. Ok, donc moi, on va passer du coup à la présentation rapide de mes troupes, donc les Heavy Grenadiers de l'Arc. Alors, ok, comme la règle l'a précisé, donc comme je suis dans le rôle du défenseur, j'ai été dans l'obligation de déployer mes troupes en premier, avant l'arrivée de l'attaquant, hein, qui va arriver en face, là. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que je vais avoir en 110 points d'armée ? Donc, je vais avoir le Jack Luther, qui sera piloté par Panzer Prince, hein, que je ne présente plus. Juste là, derrière, je vais avoir une escouade de commandement en soutien. Planqué dans les kékés, ici, je vais avoir mon héroïne Lara, hein, avec sa compétence Move on Fire et donc qui est associé avec une escouade de grenadiers lourds d'assaut dans le bunker ici présent. Donc là pour l'instant on a enlevé le toit pour que vous puissiez voir qui sont dedans, donc un pack anti-char, hein, toujours pour les grenadiers lourds. Là au niveau de ce super palmier, je vais avoir ma deuxième escouade d'assaut de grenadiers lourds. Et enfin, pour terminer, je vais avoir un flammeloteur donc en embuscade, prêt à fondre sur l'ennemi. 110 points d'armée, et je rappelle que comme nous avons la règle spéciale des réserves, je pourrais, comme mon adversaire, faire rentrer au cours de la partie deux unités qui ont été préalablement détruites. Alors, petit détail, petite précision avant de commencer cette game. Donc, on a vu que Benoît et son armée avaient 11 activations au total. Moi, j'en aurais 6. Donc, normalement, je devrais avoir 5 jetons passe. Mais bon, franchement, étant le défenseur et subissant l'attaque, je crois que je vais pas vraiment avoir beaucoup l'occasion de les jouer. Ok, donc à toi,
à toi de jouer normalement. Hein. Donc c'est à toi de t'activer. Je dois m'activer ou je peux te laisser comment enfin, ah bah je rappelle la règle, hein, tu as l'initiative, tu peux déterminer si c'est moi qui m'active avant ou après toi. Je vais te laisser cramer un jeton passe. Eh ben c'est ce que je vais faire effectivement. Donc je prends ce magnifique jeton passe, hein, puisque Benoît décide de me donner l'initiative, mais je décline la politesse. Et je la lui retourne. À toi de jouer, grand. Si j'insiste, tu vas cramer un deuxième pont. Et non, il va falloir que tu rentres, mon ami. Il va falloir que tu prennes des risques. Non, moi, les risques, je connais pas, moi. Okay. Donc, bon, alors là, hein, super dé prêté par Benoît. Hein. Premier tour de jeu. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu décides d'activer? Alors, je vais jouer Nina. Tu passes à l'offensive. Nina. Ouais, vas-y. Donc en fait, en deux actions, ben, je vais faire un mouvement de 4. Ok. Et en action gratuite, en fait, je vais déclencher mes fumigènes. Ouais, d'accord. Tu vas faire d'accord. péter un smoke. Un smoke. Donc, de quel côté? C'est inutilisable qu'une fois par, par partie. Ouais. Donc tu vas te déplacer où, grand? De 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Ok. Donc deux points d'action. Hein, tu effectues. Voilà. Et là, je claque mes fumigènes. Et je vais, en fait, je vais les mettre là. Vas-y. Fais-toi plaisir. Mais t'es beau fumigène. Avec les jetons qui vont bien. Donc je rappelle, hein, ça dure deux tours de jeu. Deux tours de jeu. Et c'est à toi, mon ami. Ok, donc fin de l'activation de ton blindé. Profiter du smoke que tu viens de mettre en place. Donc je vais activer mon flamme lutteur. Donc mon flamme lutteur, donc il se déplace normalement de deux cases, mais là je vais dépenser ces deux points d'action pour faire comme toi. Je vais me déplacer de 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et fin de son activation. Youli. Dis-moi, qu'est-ce que donc, tu décides de jouer? Je vais faire simplement un double mouvement, donc mouvement couvert de 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir ici. D'accord. Tu te places dedans. Ok. Très bien. C'est beau, ça. Activation. Très bien. Donc, fin de l'activation de ta deuxième unité pour ce premier tour de jeu. Voilà. Ok. Alors, moi, en fait, je vais tenter un coup de Trafalgar. Je vais activer mon escouade de commandement, située derrière le Jack Lutter qui est là. Et je vais tenter de réactiver mon Flamme Lutter qui est ici, en embuscade, derrière l'écran de smoke. Donc pour cela, je vais lancer mes 2 dés de commandement, sachant que tu vas pas pouvoir jouer ta compétence puisque ton unité n'est pas encore sur le champ de bataille. Donc c'est le moment ou jamais de tenter une réactivation d'une unité. Donc c'est parti, j'ai 2 dés, hop, donc je rappelle que comme j'ai l'avantage de peloton, je réussis aussi bien sur symbole que sur cible. Donc c'est bon, ben j'obtiens les deux. Donc je peux réactiver dans la foulée mon flamme-lutteur. Et donc, vous l'aurez compris, je vais faire une action de mouvement pour rentrer dans le smoke et déclencher les flammes de l'enfer sur les deux unités qui sont là, puisque le lance-flamme qui est ici a une portée de 2 cases avec son tir de napalm. C'est parti. Donc, premier point d'action, je rentre dans le smoke. Et deuxième point d'action, je déclenche les flammes de l'enfer. Alors, du coup, comme c'est durant 3 les deux blindés, donc c'est un effet blast, je vais pouvoir lancer 2 dés en attaque sur chaque cible. Et si je touche, à chaque fois, j'obtiens 3 points de dégâts sur eux. Sachant que, comme c'est du lance-flamme, donc je rappelle la règle hein, rapide, donc les cibles n'obtiennent aucune sauvegarde de cette arme et se retrouvent sous suppression. Donc c'est parti, je commence par le premier blindé, je lance 2 dés contre lui, c'est parti, et j'ai fait de la merde. Ensuite, je balance 2 autres dés sur le deuxième. Là. Sur lui, d'accord. Ouais. Et là, je touche. Donc il se prend 3 points de dégâts et se retrouve sous suppression, comme son petit camarade. Sauf que lui n'a pas pris de points de dégâts. Donc 3 points de dégâts sur lui. Attends, j'ai le dommage résiliente. Et oui, c'est vrai que tu as le dommage résiliente. Et je m'en prends que 2. 2. Et du coup, moi, je vais relancer 2 dés en espérant obtenir donc 2 symboles de faction. Pourquoi? Parce que bah, peut-être que je vais lui infliger un dégât critique. C'est parti. Et j'obtiens 2 cibles, donc c'est pas ce qu'il fallait obtenir. Donc fin de l'activation de mon blindé. Et bon, voilà, j'ai mis un peu la pression hein, sur ce premier tour de jeu. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que tu décides de jouer du coup, Benoît? Escouade de commandement. Ouais.
Donc, première action, je vais vous faire un mouvement de 2, parce que je rentre sur la table. Okay. Et en deuxième action, je vais essayer de réactiver une unité. D'accord, ça marche. Dans le principe, réactiver l'un des deux. Ouais. Pour répliquer, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Pour montrer que, voilà, tu te laisses pas faire. Ouais. Ok, vas-y, c'est parti. C'est pas beau d'être méchant. Donc, je vais bouger de 2. Ouais. Je vais me mettre là. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Alors, pourquoi je me mets là? Ouais, c'est quoi ta stratégie là? En fait, pour me cacher tout simplement. Caché. C'est du rang 1, donc dès que tu vas commencer à tirer dessus, ça va partir. Ouais, c'est clair. Donc ça sert à rien de me cacher parce qu'en fait, faut que je traverse la table. Oui. Donc là, je vais longer le bord de la table. Ouais, tu traces mon du cul dans la plaine. Et voilà. Avec la smoke, qui est, je rappelle, ici, en fait, t'as pas la ligne de vue pour me tirer depuis là-bas. Tout à fait. Et eux, leur portée, c'est 8 pour leurs armes. Donc avec un mouvement 2, tu n'auras pas la portée pour me tirer dessus. Comment tu as bien étudié, t'as vu ça? On voit que tu es en attaque. Donc mon mouvement, après je lance un dé et je vais décider de réactiver lui. Ça marche. Si ça marche. Si ça marche. Donc c'est un symbole. Ça marche. Raté. Ah, c'est con. C'est dommage. Mais c'était bien vu. Ok, fin de l'activation, à moi de jouer. C'est bon. Alors, du coup, mon papa m'a toujours dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais activer mon unité de grenadiers d'assaut qui se trouve ici. Donc, et je vais leur faire dépenser leurs 2 points d'action pour réaliser une marche de 3. 1, 2, 3. Ce qui va faire que mes petits bonhommes vont arriver ici, en protection. Et fin de leur activation pour ce tour de jeu, premier tour de jeu. Voilà. Du coup, comme tu sens que ton escouade de commandement pourrait potentiellement être menacée par j'ai un plan. Il a un plan. Et le plan consiste à traverser la table. Et pardon. Alors je vais jouer cette unité là, qui est assez récente. Donc c'est un PT-47D. Bah le mec, c'est tout technique. Donc il a la règle reload. Ouais. Il roule à combien de kilomètres heure, tu sais pas non. Et vas-y, son plan en charge totale, c'est quoi? Phosphorus. Alors ça, je choisis une case qui brûle pendant 2 tours. Ouais, le phosphore, c'est une saloperie. Il n'y a pas de sève, suppressé. Ça devrait être interdit d'ailleurs, le phosphore. Tellement c'est ignoble. Ouais, non, je ne suis pas d'accord. alors je te montre la carte. Ouais. Donc il a le truc de phosphore, la machine gun. Ouais. Ça a un rond 3. Ouais. Mouvement 2, course à 5. Ouais, quand même, il trace. Hein. Ouais. On voit que c'est un, chenillé. Je vais être comme ça. Donc je vais faire pour mes 2 mouvements un mouvement de 5. Ok, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Et j'arrive là. Bravo. Donc ils passent à travers. Hein. Les mecs se sont poussés, évidemment. Ils se sont pas fait rouler dessus. Hein. Et donc ils arrivent ici. Et pourquoi il a fait ça? Ben si, parce que effectivement, du coup, je suis bien emmerdé pour aller chercher son escouade de commandement avec mon escouade d'assaut grenadier. Ok. Je vais temporiser du coup et je vais dépenser un jeton passe pour voir ce que tu vas faire. Parce que je rappelle, je n'ai pas beaucoup, j'ai moins d'unités à jouer que toi et je préfère te laisser un peu venir pour voir ce que tu vas faire. Parce que je vois que là pour l'instant tu es vraiment full ce côté-là, mais ça va commencer à s'embouteiller en heure de pointe. Donc je vais voir maintenant comment tu vas déployer un peu le reste de tes unités. Voilà, donc je passe. Tu décides d'activer ton unité de salvo, enfin ton PT-47E pour être précis, d'accord? Donc PT-47E, règle de salvo, donc je double les dés d'attaque pour l'un principal et après je suis obligé de recharger. Ok. Donc je remonte la carte. Non, non, il n'y a pas de souci, je te. Là. Bon, non, mais pour que les gens voient, donc salvo c'est 12 de portée, blast. J'aime bien son honnêteté intellectuelle, ouais, les mecs, vous voyez, je triche pas quoi. Heavy, machine gun, ouais, t'as une mitrailleuse. Mouvement 2 et course à 5. Voilà, d'accord. Et je vais faire mes 2 mouvements pour faire une course à 5. D'accord, donc tu rentres sur le champ de bataille et de quel côté, c'est ça qui m'intéresse moi. Ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah ouais. Vent du cul dans la plaine. Ok. Donc c'est un blindé de rang 3, nous sommes bien d'accord. Hein. De rang 3. Ok. Alors est-ce que c'est un appât? N'oublie pas de mettre ton jeton d'activation, merci. Est-ce que c'est un appât? C'est la question. Est-ce qu'il fait ça pour m'obliger à jouer quelque chose? Attends, là j'ai une cible bien tentante, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, soudain, du bunker, vous pensez bien qu'il est, il est bien occupé. Hein. Et ben je vais activer mon escouade de grenadiers lourds anti-char qui est ici présente. Et je vais pouvoir dépenser mes 2 points d'action pour effectuer une attaque soutenue contre lui.
Alors comme c'est du blindé de rang 3, je ne vais juste pouvoir utiliser que mon canon anti-char. Donc je vais lancer un dé. Si je touche, je lui fais 4 points de dégâts. Et comme j'ai fait une attaque soutenue, je vais pouvoir relancer mon miss si j'en obtiens. C'est parti. Premier tir. Boum. Et ben, je crois qu'il est fumé. 4 points de vie qui se prend dans les dents. Il est détruit. Tu as que t'as pas de dommage résilient là-dessus. Non. D'accord. Donc il est détruit et eux ils gagnent la croix de fer. Félicitations les gars, on prend en vous. Et hop. Caché. Qu'est-ce que tu décides de jouer là? Alors je vais jouer cette escouade là. Ouais. PLA domination squad avec des grenades et des flammes. Ouais. Lance-flammes. Il veut se faire le bunker, je suis sûr. Ouais. Donc deux RPG en munitions limitées et deux lance-flammes. D'accord. Donc toujours du rang 1, mouvement 3, course à 5. Okay. Ce que je vais faire, c'est que bon, effectivement, j'avais espéré qu'ils tiennent un tour au moins. Ouais. Mais bon, tu l'as détruit d'office. Bah ouais, tu sais, on s'est tiré nous. Hein. Ouais. Bon, la dernière fois, tu avais tiré dessus, au bout du troisième tour, ces mecs, ils n'avaient pas touché. Donc, c'est bien, ils ont fait des cours de rattrapage. Donc, en fait, je vais faire une course de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, ça marche. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour multiplier les menaces. Oui, je vois ça. C'est-à-dire qu'au prochain tour, je pourrais faire, selon l'activation, soit activer celle-là en premier pour faire mes lance-flammes sur cette escouade-là. Ouais, d'accord. Comme avec le lance-flamme, tu n'as pas de save. Oui, c'est ça. Et je serai. Le save est suppressé. Ouais. Et en plus, avec mes RPG, je pourrais tirer dessus. Voilà, d'accord. Ouais, bon, tu feras la totale. L'inconvénient, c'est que. C'est un rang combien, lui? Ah, lui, c'est du lourd. Hein. C'est du rang 5. Il donc, a 8 points de vie. Le flamme lutteur. Fait 5 dégâts. Ok. Donc après, ça serait soit j'active eux. Enfin, au prochain tour, hein, j'anticipe. Pour essayer de le détruire, ouais. Soit j'active lui pour essayer d'infliger les deux dégâts. D'accord. Bon, maintenant, il faut que j'ai l'initiative, sinon ben, ça va être un carnage. D'accord, ça marche. Mais bon, j'ai pas le choix. Pour ce premier tour de jeu, je vais activer Panzer Prince qui est à bord du Jack Lutter. Et Panzer Prince, en fait, il va tenter de réactiver cette escouade qui est ici. Donc, déjà, comme c'est un as, d'accord, je vais lancer un dé pour voir s'il bénéficie de 3 actions grâce à sa compétence as. Donc, je vais lancer un dé et sur le symbole ou cible, j'obtiens une troisième action. Donc, je fais le super symbole de la Wehrmacht. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir 3 actions. Alors, du coup, pour être vraiment sûr de mon affaire, je vais tenter de réactiver cette unité. Donc, je vais lancer le dé de commandement. Bougez-vous, tas de singes, grâce à la radio. C'est parti. Raté. Raté. Pourquoi tu le lances deux fois? Parce que j'ai 3 actions. Ah, tu fais 3 fois le même truc, d'accord. Et je réussis. Donc, eux, du coup, peuvent se réactiver et je vais déclencher une attaque soutenue sur eux grâce avec tout l'armement que j'ai. Donc, hop. Tu es dans le smoke, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Tu es dans le smoke, comme tu es dans le smoke, tu vas bénéficier d'un couvert. D'un couvert. Et moi, je vais lancer une attaque soutenue. Alors, pour rappel, hein, les escouades d'assaut de grenadiers lourds, donc sur du rang 1, lance 12 dés et j'en ai 3. Donc, je vais lancer un total de 36 dés en attaque. Relançable puisque je fais une attaque soutenue. C'est parti. C'est bon, allez, première salve de 12 dés relançables. Donc je fais 2 touches. Du coup, je relance tous les miss. Je fais une touche, c'est vraiment de la merde. Donc le premier fait 3. Hein ? Le premier fait 3. Donc là, tu relances tous tes dés. Ouais. Tiens, c'est parti. 3 réussites. Deuxième salve. Tu fais la même chose. Non, c'est un peu mieux. 4. Donc ça fait 7 au total. 7 au total. Ah. Donc ça en fait 3 de plus. Donc ça fait 10. 10. Et dernière salve. 10 sauvegardes pour l'instant. Deux. Ah. Et je relance. Oh putain, de la merde. Donc ça fait 12 sauvegardes à effectuer.
Donc tu as une sauvegarde de couvert puisque tu es dans le smoke. D'accord. Donc ça sera symbole et bouclier. Deux sauvegardes effectuées sur symbole et bouclier. D'accord, alors attends, j'éteins. Allez, lance. Alors, j'ai un de mort. Oh la vache, putain, le jet de sauvegarde de la mort qui tue. Enfin, grâce au smoke, hein. Merci le smoke. Hein. Ouais. Donc voilà, donc tu prends deux morts et tu te retrouves sous le feu. Sous le feu, alors. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Bah, je vais enlever les RPG en fait. Ok. Hein. Et moi, je passe en activated. Voilà. Et toi, tu te retrouves under fire. Alors, je vais activer une escouade du PLA d'assaut, ouais. Hein, basique, ouais. Avec moi, le professeur Sum. Donc, d'accord. C'est le charmant personnage qui empêche l'adversaire de se soigner, ouais. Et de relancer les ordres de réactivation. Donc, du coup, donc, ils ont un mouvement comme tout rang 1 de 2-3. Ouais. Et ils peuvent courir à 5. Ils peuvent courir à 5. Le professeur Sam, lui, c'est 2-5, donc il faudra que je fasse gaffe. Donc, mais ça ne change rien. Je ouais, parce que si tu 5. Fais juste. Ouais, voilà, ça ne change rien pour l'instant, parce que tu dépenses tes deux points d'action pour effectuer une marche. Une course. Donc, ouais, une marche. 1, 2, 3. Et je m'arrête là. D'accord, tu te alors, mets en protection voilà, derrière les blindés. Quoi. Voilà, parce qu'après vérification des règles, les lance-flammes et autres voilà. Ne peuvent pas tirer parce que j'ai mes deux véhicules bah, qui bloquent les lignes de en vue. Protection. Ouais. Ok, ça marche. Donc, fin voilà. D'activation de ton escouade dirigée par un héros. Ok. Et ben, du coup, comme c'est à moi de jouer, il ne me reste plus beaucoup d'unités activées. Quoi, il t'en reste encore. 1, 2, 3, 4. 4 unités, 4 activations. Je dépense mon troisième jeton passe pour te repasser la main. Ok, très bien. Petit joueur. Oui, un petit joueur. Tu arrives, tu décides d'activer ton escouade d'observateurs d'artillerie. D'artillerie. Ouais. Ils vont pas aller loin. donc, c'est du rang 1, mouvement 2-5. Ouais. Et en fait, ils vont se mettre ici. Ah, couvert. Et ils ont la règle camouflée. Hein, c'est camouflée, ça, ouais. En plus, ils sont camouflés. Hein. Saloperie. Bah. Salopard. Ok. Et c'est à toi. Ok, fin de leur activation. Alors, comme bah, du coup ça revient à moi, et bah pareil, je redépense encore mon jeton passe. Donc je te retourne l'initiative. Action. Donc j'ai joué Red Rain. Red Rain. Donc artillerie compagnie là. Ouais. Donc c'est un rang 2. Bon, surtout pour le canon d'artillerie. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, c'est qu'en première action, je vais bouger de 2. 1-2, d'accord. 1-2, et je vais envoyer une smoke. Alors à préciser, hein, parce qu'on a regardé, hein, c'est une arme sur tourelle. Sur tourelle. Donc effectivement, c'est pas une arme de front. Je peux aller entre 4 et 14, donc 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là. Et je vais balancer un smoke. Non, on a dit tout à l'heure, on a regardé, en fait, ta ligne de vue, ça sera là, en fait. Là, tu es bloqué par l'épave. Mais du coup, tu peux faire péter ton smoke là pour répartir comme tu entends tes 4 smokes. Vas-y, fais-toi plaise. Donc là, il tire. Poum, poum, poum. Ah, il aime bien le smoke. Ah, il adore le smoke. Ah, c'est génial le smoke. Alors, je suis obligé. Ouais, vas-y. Donc, avec le PLA, parce que on c'est fragile. C'est hyper fragile. Donc, je suis obligé de mettre des smokes un peu partout. Ouais. Parce que sinon, surtout devant des heavy grenadiers, s'ils ont le champ libre. Bah, par contre, moi, il est clair que là, sur ce premier tour de jeu, tu concentres toute ton attaque sur mon flanc droit. Ah, c'est clair. Il trace vent du cul dans la plaine. Ok. Fin de ton activation de ton Red Fury. Du coup, ça revient à moi et je claque mon dernier jeton passe pour t'obliger à activer une autre unité. Du coup, t'as décidé de passer un petit peu à l'offensive de ce côté, c'est plus pour m'emmerder et pour m'occuper. Ouais, alors là, typiquement, en fait, c'est. Tu vas jouer le PT-47D. Donc c'est le même que là-bas. Mais sauf que lui, il balance du phosphore. Ouais. Et donc tu vas essayer de me déloger. Donc là, le but, en fait, c'est de se mettre au niveau du palmier. Dans le kéké. En première action. Ouais. Et en deuxième action, bon, la Levit Gun à 6, j'aurais pas la portée. Bah, faut pas déconner non plus. Mais avec les roquettes. Portée 12, je vais pouvoir tirer sur l'escouade qui est ici. Alors moi, c'est dur en 3, donc tu vas balancer combien de dés? Donc c'est du blast, hein, donc c'est 2 dés par figurine. Donc là, je vais balancer 8 dés. 8 dés au total. Non relançable, puisque ce n'est pas une attaque soutenue. Par contre, c'est t'es suppressé et surtout, tu n'as pas de sauvegarde. Ouais, il ignore les sauvegardes de couvert et d'infanterie et l'ennemi se retrouve en suppression. Bien joué. Vas-y, roule ma poule. 6, 8. 8 dés. Alors, ça va. Donc, ça va, on va peut-être arrêter les conneries là. Donc que du symbole. Ok, que sur symbole de faction. Donc là j'en ai
Un seul. Donc, moi, j'ai damage résiliente, hein, je rappelle. Ouais. Donc, je vais pouvoir la faire fonctionner. Donc, je lance le dé et j'annule sur symbole de faction, moi aussi. Et j'annule la touche. C'est un dégât par touche. Du coup, par contre, malgré tout, je me retrouve suppressé, en suppression. Et la case est en feu. C'est-à-dire que, à sa prochaine activation au deuxième tour de jeu, si je suis encore dans mes palmiers, dans mes kékés, là, il va pouvoir lancer des dés en plus pour m'infliger des dégâts supplémentaires. Donc j'ai tout intérêt à ne pas rester là. Ok. À avoir l'initiative au prochain tour, sinon le prochain tour... Ouais, mais là je ne l'ai pas encore joué cette unité. Donc je peux bouger. Alors du coup, moi, ben, je n'ai plus aucune unité à activer. Hein. Il ne me reste plus que cette unité à jouer, ça tombe bien. Alors mes kékés sont en train de prendre feu. Donc du coup, je décide d'activer Lara et son escouade d'assaut de grenadiers lourds. Je vais lancer 2 dés parce que je suis sous suppression. Parce que je rappelle que si je n'arrive pas à gérer la suppression, ben, je n'aurai que droit à une action. Et mes Kouyanski au bord de l'eau, et sur ton front, je n'aurai droit qu'à une action. Donc je ne vais pas pouvoir cavaler vent du cul dans la plaine, je vais pouvoir juste dépenser mon point d'action pour pouvoir me déplacer de 2. Et donc je vais faire 1, juste 1. Je vais sortir là, voilà. Je vais me mettre ici. 2, remarque, ouais, allez, on va s'avancer un petit peu. Donc je garde le jeton suppression, le jeton flamme reste ici, et je suis activated. Voilà. C'est bon ? Oui. Je t'écoute, Charles-Édouard, qu'est-ce que tu décides de jouer ? Alors, je vais jouer ma dernière unité. C'est ta dernière unité de ce premier. Donc, j'ai une escouade de PLA assaut, donc c'est 5 mecs normales avec des. Toujours du rang 1. Mais. J'ai les deux héros voilà, que je peux mettre ensemble dans la même escouade. C'est vraiment une particularité. Et ce qui fait que c'est une escouade très forte. Ouais, j'en ai un, il a initiative au corps à corps. Ouais. Infanterie ex, donc sur un symbole et une cible, j'ai une troisième action pour toute l'unité. Ouais. Et quand il est avec sa copine. Sa copine. C'est une femme et un homme en fait. Donc, quand il est avec sa copine, bah, il gagne expert avec les armes. Donc c'est avec son pistolet et son arme de corps à corps, bah, il touche sur symbole et cible. C'est toutes les armes expertes, t'es sûr ? Ouais, ouais. Sibling the Phoenix, c'est ça ? Il gagne expert avec toutes les armes, oui, voilà. Effectivement. Alors après, il me semble que souvent derrière... Il précise l'arme. Non, mais là, c'est même pas. Donc, c'est toutes les armes. Ok. Et elle, bah, c'est pareil. Ouais. Tant qu'elle est avec son copain, bah, elle gagne expert avec toutes les armes. Frères et sœurs. Hein. Ils ont été élevés dans un orphelinat. Alors, c'est peut-être de la même famille. La différence, c'est qu'elle, elle a assassin. Donc, ouais, elle peut décider qui elle tue. Ouais, c'est ça. Et Black Ops, c'est-à-dire qu'au test d'initiative, je lancerai 4 dés. Oui! Donc j'ai un plan en tête, mais ça va dépendre surtout de mon résultat pour la troisième action. D'accord. Alors je lance le dé, donc c'est sur symbole et cible, j'ai une troisième action. Donc j'ai une troisième action. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais arriver ici. Donc tu fais, tu dépenses tes 2 points d'action pour faire une marche. Pour faire une marche, donc de 5. Alors ils se déplacent tous à la même vitesse, hein, t'as vérifié. 5 et 5, ça marche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais mourir. Et là, je fais tirer et après corps à corps sur eux. Tu fais la totale. Je fais la totale. Alors, sachant que moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tenter d'attaque de réaction parce que cette unité a déjà été réactivée en plus à l'aide de Panzer Prince. Donc là, je vais serrer les fesses parce que je pense que je vais vite passer de vie à trépas. Bon, après, c'est du rang 1, hein, c'est pas non plus... Ouais, mais tu balances quand même une belle brouette de dés, hein, avec toutes les squads, là, hein, avec toutes tes armes automatiques, là. Alors, je rappelle, c'est du rang 3 que tu cibles. Ouais. Alors, du coup, combien de dés tu vas lancer sur ma petite escouade, seul contre tous, là, parce que vous voyez, les mecs, c'est vraiment la ligne. Tenez la ligne, les mecs, hein, on a foi en vous. Hein. Alors, dis-moi. Tu n'as pas de règle spéciale, je peux dérouler tranquillement. Ah ben, de toute façon, tu fais combien de dégâts par arme ? C'est un dégât à chaque fois. Oui, mais ouais, tout le monde est expert, du coup, là-dessus. Hein. Non, seulement mes héros. Seulement tes héros. Seulement mes héros. Bah, à la limite, commence par tes héros, s'ils sont experts. Comme ça, c'est réglé. D'abord mes héros, d'accord. Donc, je vais faire leur pistolet, qui a porté 2. Bah, remarque, on fait le tir d'abord, on fait le tir. D'accord, donc je vais faire... Donc, parce que le corps à corps sera simultané s'il reste du monde. Je vais te mettre comme ça pour que tu sois de face. Ouais. Donc, ça fait 4 dés sur... pour les deux héros, donc sur cible et symbole. Ça marche. Et ça, c'est un full. Tu fais 2 symboles et 2 cibles. Donc déjà, 4 réussites. 4 réussites. Après, je vais faire les tirs de l'escouade. Donc eux, ils sont pas experts. Donc ça sera 3 x 5, 15 dés. Non relançables.
Donc ça fait déjà 4 touches à annuler pour ma gueule. Oh là là. Et là, il y a beaucoup. Voilà, alors, il y a... deux. Voilà, il pleut quatre, des fossiers et des enclumes là, sur ma gueule. Là. 3 ici. Ouais, c'est un beau jet. Et encore un là. Okay. Donc ça fait, là, ça fait 9 déjà. Alors 9 dés, ça se trouve, il n'y aura même pas de corps à corps parce que j'ai combien au total de sauvegardes à effectuer? Donc, j'ai plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, sachant que comme il tire au travers, on va dire, sa ligne de vue de tir passe par l'angle d'un carré sans point, hein, grâce à mon blindé, je vais pouvoir bénéficier déjà d'une sauvegarde de couvert. Donc, on va commencer par la sauvegarde de couvert. Faut pas oublier que comme tu es derrière ton véhicule, tu as une sauvegarde de couvert, donc tu vas pouvoir sauvegarder sur symbole et bouclier. C'est ça. Donc c'est parti, 13 dés. Personnellement, je ne pense pas que je vais faire grand-chose. 1, 2, 3. Bon, je retire les cibles, ça sera plus simple. Donc, il y en a 4. Non, il y a plus que ça. Il y a 5 touches qui sont passées. Sur les 5 touches, maintenant, je vais faire fonctionner la compétence du damage résiliente de mon escouade. Donc là, je vais pouvoir annuler uniquement sur symbole de faction. C'est parti. Et que de la merde, toute l'unité est fumée. Donc il n'y aura même pas de corps à corps. D'accord ? Ok. Hop. Donc je pourrais faire un corps à corps pour marchander sur les cadavres, mais en termes de jeu, ça ne sert à rien. Ok, donc c'est la fin de ce premier tour de jeu, et là, malheureusement pour moi, ma petite ligne, là, elle n'a pas vraiment tenu, puisque grâce à ses héros, hein, qu'il a bien joué, il m'a fumé mon escouade d'assaut de grenadiers lourds, et ce qui fait que ça lui ouvre les portes pour pouvoir atteindre l'autre bord de table. Alors du coup, comme je bénéficiais de la règle spéciale au prochain tour de jeu, donc deuxième tour de jeu, je vais pouvoir faire rentrer une de mes unités en réserve précédemment détruite, d'accord ? Et il va falloir que je me bouge le fion pour essayer d'aller colmater au plus vite la brèche qui est là, en espérant que mon blindé tiendra suffisamment pour l'empêcher de passer et voire lui infliger pas mal de dégâts. Donc fin de ce premier tour de jeu, on va pouvoir passer au deuxième tour de jeu. Ok, donc c'est parti pour ce deuxième tour de jeu. Vous avez vu, j'adore ton dé, hein, franchement. Donc hop, c'est parti, j'ai l'initiative. Donc lui, il lance 4 dés et il fait de la merde. Mon Dieu, il fait de la merde, il fait de la grosse merde. Allez, vas-y. Ah bon, moi, je suis super motivé, les mecs. Regardez-moi ça, c'est trop beau, quoi. Alors, du coup, maintenant, comme j'ai l'initiative, évidemment, je vais la garder. Combien d'activations tu as sur ce deuxième tour de jeu? Parce que tu as perdu une unité. Donc, tu passes à 10 activations ou 11, je sais plus. Ah, on a un doute. Allô, Cognac G, on a un doute. Il y en a 9. Pourquoi j'en ai perdu 2? Non, c'est pas possible. Je t'ai entamé une unité, je t'ai fumé une unité, mais je t'ai pas entamé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, j'en ai 10. T'en as 10. J'en ai perdu qu'une. Voilà. Donc, moi, du coup, j'ai toujours 6 unités. Donc, je n'aurai que 4 jetons passe sur ce tour de jeu. Alors, ça c'est fait, 4 jetons passent. Maintenant, je réfléchis. Oui, alors, on va déterminer si l'effet météo rentre en jeu, puisque je rappelle que il y a un vent de sable et que le risque est moyen. Donc si j'obtiens 2 symboles cibles, hop, non. Donc voilà, pour l'instant, le vent de sable ne se lève pas, donc le terrain reste dégagé avec toutes les lignes de vue qui vont avec. Donc ça va être à moi de jouer et ça va être l'apocalypse. Ok, donc j'ai fait déjà une première touche, donc là il va se prendre 3 points de dégâts, ok? Du coup je lance 2 dés pour voir si je lui inflige une touche critique. C'est parti dans la foulée. Bon non, il n'aura pas de touche critique. Mais lui se prend 3 points de dégâts, ok? Le deuxième, pareil, attaque soutenue au lance-flamme, c'est parti, donc lui était déjà entamé, hein. Il a déjà pris 3 points de dégâts, relançable. Donc c'est bon, il se reprend encore 3 points de dégâts, je relance ma cible. Et il se prend 6 points de dégâts au total. Donc cette unité est détruite. Okay, je ne t'énerve pas, j'ai des dommages résilients. Alors, oui, alors ça te fera 6 points de dégâts annulés, 3 points de dégâts annulés ici. Ensuite, d'accord, ma mitrailleuse tire ici en attaque soutenue. Et là, comme c'est du rang 1, je vais pouvoir lancer 7 dés. Donc 2, 4, 6 et 7 dés relançables. C'est parti. Donc je fais 1, 2, 3 touches, je relance mes miss. Et je fais une touche supplémentaire. Donc qui se prennent une quatrième touche. D'accord? Donc tu vas pouvoir procéder à tes jets de compétences damage résiliente et sauvegarde de couvert. D'accord. C'est parti. Alors.
Ouais. Alors vas-y, balance tes dés de sauvegarde. Donc pour le premier qui est ici. Mais de toute façon, t'as un lance-flamme, donc j'ai pas. Ouais, c'est lance-flamme. C'est forcément dommage résiliente. Voilà. Donc 3. J'en sauvegarde 2. Donc tu prends 1 point de dégâts. C'est bien le dommage résiliente, hein, quand même. Hein. Et lui, par contre, il s'est pris 3 autres points de 6 points de dégâts au total. Il lui en reste que 2. Donc il a une sauvegarde. C'est un peu compliqué. Ouais, tout à l'heure, tu m'as fait un super G. Hein. Non, il est détruit. Bon, d'accord. Donc lui est détruit, ça devient une épave. Ok. Et ensuite, on va procéder. Donc eux, ils vont avoir une sauvegarde de couvert parce qu'ils sont encore dans le smoke, d'accord. Mais ils ont 4 touches à annuler sur le tir de mitrailleuse. Donc c'est bouclier et symbole. Ah oui. J'en perds un mec. Encore un, décidément. Le smoke, il t'avantage également. Donc là, je suis en suppression et j'ai pas le choix, je perds un lance-flamme. Ok, ça marche. Donc, fin de l'activation de mon blindé, le flamme lutteur. Alors, du coup, toi, tu décides d'activer... Donc, j'en ai un qui est mort. Ouais, il y en a un qui a été fumé. Donc, tu décides d'activer le deuxième, là. Le deuxième. Là, qui est... Et donc, réponse du berger à la bergère, attaque soutenue sur mon flamme lutteur. Je suis obligé de le faire parce que comme il a des officiers, s'il le réactive... Ouais, je peux te faire... bon, j'ai perdu la partie, il n'y avait rien qu'avec lui. Hein. Donc, ça a rond 5. Ouais, donc tu vas lancer 3 dés en attaque et 3 tu infliges 4 dommages. 5 dégâts. Sur du rang 5 ? Sur du rang 5, 5 dégâts. Ah ouais, quand même. Putain, il fait vachement. Ah bah, c'est un anti-véhicule. Ah, hein. La vache, ouais, c'est pas pour rien que c'est un anti-véhicule. Donc 3 dés que tu peux relancer. Ouais, donc c'est sur symbole de faction et c'est relançable. Voilà. Lance. J'ai 2 symboles de faction. Et relançable. Non. Donc ça tu fera te prends 10 PV. 10 PV à annuler. Donc je vais pouvoir effectuer ma sauvegarde de couvert parce que je suis dans le smoke. Ouais. Et ton arme n'annule pas les sauvegardes de couvert. Annule les sauvegardes d'infanterie, mais pas les sauvegardes de couvert. Et pour rappel de la règle, sauvegarde de couvert sur un blindé, eh ben, ça annule que sur les symboles faction. Donc il faut que tu lances 2 dés et il faut que tu fasses 2 symboles de faction, sinon il meurt. C'est ça, je me prends sinon 10 points de dégâts dans la gueule. Tu as vraiment du action, c'est parti. 2 sauvegardes. Tremble, miséreux. J'annule 1, mais j'en prends quand même un autre. Donc je me prends 5 points de dégâts dans la gueule. Et tu vas lancer 2 dés pour voir si tu m'infliges une touche critique. Non, il n'y aura pas de touche de critique. Par contre, bon, j'ai mangé dans mes dents. Ok, donc je vais pouvoir mettre les 5 points de dégâts sur mon blindé. Fin de l'activation. Tout à l'heure, on a oublié, hein, il avait bien la suppression, ce qui fait que normalement, il ne pouvait pas réaliser d'attaque soutenue. Il n'avait droit qu'à une action parce qu'il a lancé ses 2 dés, on a vérifié, et il n'a pas obtenu de symbole faction qui lui permettait de passer sous le feu. Donc il restait sous suppression. Donc il ne pouvait pas faire d'attaque soutenue. Quoi qu'il en soit, sur son premier jet d'attaque, il a eu ses 2 réussites. Et le troisième dé qu'il a relancé et qui ne pouvait pas normalement n'a rien changé à la dèche. Voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair. Donc ça ne change rien, on va dire, au résultat de cette attaque. Voilà, donc félicitations. Alors moi je vais décider d'activer Panzer Prince, d'accord. Donc je vais lancer un dé pour sa compétence d'As. Rien, je n'aurai droit qu'à 2 actions. C'est très bien. Et ça m'emmerde en fait. Ça m'emmerde complètement. Par contre, je peux encore peut-être lui fumer une unité. Tant pis, je vais tenter ça. Soit je me déplace là. 1, 2, 3, 4. Mais dans ces cas-là, tu tires pas ? Et je tire pas. Et je me mets à portée de tes lance-flammes, ça serait un peu con. Soit je m'avance là et j'essaie de fumer là, comme ça, ça te fera des points de dommage supplémentaires. Sachant que je rappelle que si j'élimine 50% des forces de l'attaquant, la game est perdue pour lui. Ben, je vais tenter ça, effectivement. Donc je vais rentrer, première action de mouvement, je rentre ici. Deuxième action de mouvement, j'ouvre le feu sur son blindé qui est ici. D'accord ? Donc, c'est du rang combien, mon ami ? 3. C'est du rang 3 et mon Jack Luther, sur du rang 3, il balance 2 dés et ça sera une mort subite s'il te touche. C'est parti. Poum, poum. Eh ben, ça sera mort subite sur ton blindé. Alors, attends, j'ai une sauvegarde de couvert quand même. Une sauvegarde de couvert. Donc là, je lancerai un dé. Je vais lancer un dé. Et sur symbole, mon blindé sera sauf. Donc c'est raté. Il se prend une mort subite. Donc il est mort. Il est détruit. Boum. Donc ça, fin de l'activation du Jack Luther piloté par Panzer Prince.
Je vais jouer mon espace de commandement. Ok. Donc ma première action, ça va être un mouvement. D'accord. Donc, et ma deuxième action, je vais essayer de réactiver. D'accord, ok. Donc d'accord. Tu avances ton escouade de commandement, première action. Ici. D'accord. Et tu vas lancer le dé de commandement. Bougez-vous, tas de singes. Ouais. Pour essayer de réactiver ton blindé qui est là pour essayer de fumer définitivement le flamme lutteur. Mais il faut que je fasse un symbole. Voilà. Donc raté. C'est raté. Donc du coup, fin de leur activation. À toi, c'est bon. Alors, moi, je vais activer mon escouade de commandement à mon tour. Donc mes Heavy Grenier des commandants de squad qui sont ici. Donc du coup, je vais faire comme toi, première action de déplacement de deux cases. 1 et 2, ils vont venir sur le bunker de ce côté-ci. Et deuxième action, tu te doutes qu'ils vont essayer de réactiver le flammeur qui est ici. Ouais. Alors du coup, je vais lancer un dé de commandement. Avec mon avantage de peloton, j'obtiens la réussite sur symbole, cible et faction. Donc cible, c'est bon. Donc, je te relance, je te fais oui, relancer. Parce que tu as ta compétence SCUM, c'est ça? Ouais, du professeur SCUM. Du professeur SCUM. Donc il m'oblige à relancer mon dé de commandement. Hop, c'est parti. Et effectivement, il a eu raison. Enfin, il a eu raison grâce à cette compétence. En fait, il y a eu le brouillage d'ondes radio. Et donc, ce qui met fin à l'activation de mon escouade de commandement. Heureusement pour moi. Heureusement pour toi. Vas-y alors, dis-moi. Tu alors, actives je vais jouer l'unité... mon unité PL. Ah ouais, mais ils sont suppressés, attention. Oui, alors déjà, oui, il va falloir que tu lances 2 dés ouais, pour savoir s'ils bénéficient de leurs 2 points d'action. C'est bon. C'est bon. Donc ils repassent under fire. Mais je peux faire 2 actions. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Je vais faire une marche à 5. Ouais. 1, donc 1, 2, 3, 4, ouais. Et je sors. Voilà. Donc je sauve une escouade. Et là, donc, tu as mis à l'abri combien de points de... Là, c'est 7 points. 7 points. Donc il en manque encore quelques-uns. Allez, je fais ce que je peux. Hein. Bah oui, mais bon, c'est vrai que là, je rappelle, hein, la règle, hein, c'est avant la fin du tour 6, avoir sorti 50% des effectifs de l'attaquant. Hein. Et donc, plus tu vas rester sur le champ de bataille, plus je vais te fumer la tronche. En plus, c'est du lourd en face. Hein. Alors moi, ayant vu ce qui vient de se passer, d'accord, je décide d'utiliser, de faire venir de ma réserve une escouade d'assaut de grenadiers lourds. Donc c'est eux que je vais activer, donc ils vont rentrer évidemment par ce bord de table. Premier point d'action, je fais un mouvement simple. Donc si je regarde la ligne de vue de centre à centre, c'est bon, je passe pas par le smoke. Les mecs sont en terrain découvert, ils n'ont juste que leur sauvegarde d'infanterie, parce que premier point d'action, je me mets ici dans les kékés. Et deuxième point d'action, donc j'ai la portée, 1, 2, 3, 4, 5... Je vais faire feu de toutes mes armes, de mes dual machine guns, sur ton escouade de héros. Donc je vais balancer 3 salves de 12 dés. 4, 6, 8, 10 et 12. Sachant qu'ils ne sont pas relançables, hein, ce n'est pas une attaque soutenue. Donc première salve, pan pan pan. Donc ça fait... 4 touches pour la première salve. Mon merde, ce palmier à la con. 4 salves. Deuxième salve. Je fais de la merde. Donc ça fera 5 sauvegardes. Dernière salve. Hop, celui-là, hop. Donc ça fait 8 touches à 8 sauvegardes d'infanterie à effectuer sur cette escouade. En fait, t'as coupé ? Non. 4, 5, 6, 7. On fait un change-tu ! 8, ok. 8 sauvegardes d'infanterie. 8 donc, sauvegardes sur symbole. Symbole. 1, 2, 3, 4. Donc tu as 4 touches, 4 dommages. 4 dommages. Que je vais mettre en fait sur mes héros. Ouais, tu vas les répartir équitablement. Voilà, donc je vais en mettre 2 sur le premier et 2 sur le deuxième. Parce qu'ils ont chacun 3 points de vie. 3 points de vie. Et par contre, du coup, ils passent sous le feu. Ils passent sous le feu, mais j'ai toujours mon escouade full. Ok, ça marche. Donc tu décides de jouer le professeur Scum. Avec son escouade. Donc ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement, je vais courir de 5 avec mon escouade. D'accord. Donc je peux passer à travers les blindés. Ouais, ça pose pas de problème. 1, 2, 3, 4, je m'arrête là. Tu t'arrêtes. Au cas où tu me feras un coup de travalga pour avoir un couvert. Tu t'arrêtes dans les kékés. Hein. Parce que je commence à me méfier, hein. Tu es informe. Ok, ça marche. Donc fin de l'activation.
du professeur Skum et de son escouade. Voilà. Ok. Alors moi, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Parce que si on fait un peu le plan, hein, là, ta percée est en train de porter ses fruits. Évidemment, tu fais le sacrifice hein, d'éviter de trop me tirer dessus pour bénéficier encore ben, des smokes hein, qui sont encore présents parce que au début du tour 3, tous ces écrans de fumée vont disparaître. Ok. Alors moi, je vais jouer Lara, je vais activer. Et donc, elle est sous suppression. Donc, suppression, je vais devoir lancer 2D pour essayer d'enlever le marqueur suppression. Et c'est bon, je passe under fire. Et du coup, hop, je récupère mes 2 points d'action. Et je vais pouvoir effectuer une course avec Lara. Donc, si je fais 1, 2, 3. Je pourrais peut-être... Ouais, on va faire ça. Allez, vent du cul dans la plaine. On va profiter. On va profiter encore qu'il y a le smoke qui casse les lignes de vue pour pouvoir essayer de se faufiler du côté opposé et venir t'embêter. Fin de son activation. C'est bon ? Ouais. Ok. Alors, du coup, tu décides de jouer... Mon escouade avec mes 2 héros. Ouais. Donc, pour faire bien les règles, je suis sous le feu. Donc, je lance 2 dés. Ouais. Et pour le symbole, je ne peux pas... Donc, tu restes sous le feu. Je reste mais ça ne change rien parce que tu bénéficies de tes 2 points d'action. Donc, avec mes 2 points d'action, je vais faire un mouvement de 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc tu l'escouade sort voilà. Et je la sauve. Donc, la percée du PLA continue, hein, pleine balle. Hein. Alors, du coup, combien de points bah là, ça te fait 25 points de sauvé. Voilà, 25 points. Donc, en comptant la réserve, on a dit qu'il fallait que tu sortes un peu plus de 60 points d'armée. On verra précisément combien. Donc là, c'est plutôt bien parti, on va dire, pour l'instant. Ok. Du coup, c'est à toi de jouer, garçon, parce que moi... Ah si, il me reste mon escouade anti-tank. Hein. Ouais. Faut pas que je l'oublie. Mais maintenant, reste à savoir si j'ai quelque chose à fumer, puisque je ne peux pas sortir... de mon bunker durant la partie. Ça, c'est par contre assez pénalisant. Ok, alors moi, du coup, il me reste plus qu'une unité activée, mais j'ai pas de ligne de vue. En fait, c'est vraiment pénalisant. Et bon, bah, ils sont à Dash-les-Bains, derrière des blindés, derrière des écrans de fumée. Donc, je vais dépenser un de mes jetons passe pour redonner la main donc au PLA. Donc, à toi, mon grand, tu reprends la main. Ok, donc du coup, tu décides d'activer cette unité, hein, le ouais. PT-47D, c'est voilà. Ça ? Et donc... Alors, je vais faire... Alors, soit je peux faire un tir soutenu pour essayer de les fumer. Ouais. Ils sont que 3 à couvert, j'annule les sauvegardes, c'est jouable. Ouais. Soit je bouge et je viens là. Pour te mettre en protection devant les squads d'infanterie. Ouais. Pour les protéger, quoi. Ah oui, là, tu me casses la ligne de vue, du coup. Mais une attaque soutenue, tu perdrais donc une escouade supplémentaire. Mais bon, tu pourrais les ramener au prochain tour. Ouais, parce qu'il me reste encore une réserve derrière. Une réserve derrière. Ouais, parce que là, ça urge. Donc, on appelle les mecs qui étaient en train de faire dodo là, dans les casernements. Leur dire, putain, on est attaqué. Alors je vais faire, non, je vais venir en. Je vais faire un double mouvement. Donc tu dépenses tes 2 points d'action pour réaliser une marche. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça, normalement, au prochain tour, si tout se passe bien, tu vas pouvoir sortir une escouade d'infanterie supplémentaire. Ouais. Par mon bord de table. Ok, très bien. Ok, du coup, la main te revient. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Il te reste 2 activations. Donc, je vais dépenser mon 2e et dernier jeton passe ouais. Sur ce 2e tour de jeu. À toi de jouer. Donc, il te reste soit le Red Fury à jouer ou. Ouais, tes observateurs d'artillerie. Mes observateurs d'artillerie. Ok. Donc, tu joues quoi ? Je te laisse réfléchir. Ah, il est bugué là, le mec. Non. Je vais jouer Red Rain. Il est bugué. Je vais jouer. Alors je vais mettre ça. Je vais jouer Red Rain. Donc je vais faire un mouvement de 2 et un tir. D'accord, ok, d'accord. Ça marche. Donc Red Rain, il va faire 1, 2. Ouais. Je vais mettre mon jeton d'activation. Et donc ta portée de tir est de combien ? Parce que je crois que tu as un mini, un maxi avec ouais, la pièce d'artillerie. 4-14. Et tu vas tirer sur qui ? Rien ne m'empêche. Alors 1, 2, 3, 4. De tirer au fumigène. Ah oui, bien sûr. Sur mon escouade. On est d'accord. Rien n'empêche. Rien n'empêche. Alors là, les mecs. Ouais, bien vu. Bien joué. Très bien joué. Toc. Pouf, pouf, pouf. Toc.
Et toc. Ok, donc moi j'ai... Voilà. Félicitations. Oui, c'était automatique. Non, non, c'est pas automatique, effectivement. Alors voilà, on a eu un petit contretemps. En fait, on a vérifié une règle et ça m'est revenu en mémoire. C'est vrai que donc c'est une arme d'artillerie qui peut tirer des obus fumigènes, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, dans sa compétence, ce n'est pas une action gratuite comme beaucoup de blindés, comme eux, peuvent avoir. La règle stipule que s'il décide de tirer un obus fumigène, évidemment, il doit avoir le point cible en ligne de vue à portée de ses armes, etc., etc., etc. Mais il doit lancer un dé et il doit obtenir soit un symbole ou une cible sur son résultat pour pouvoir placer ses fumigènes. Et là, il s'avère qu'il n'a obtenu que le bouclier, donc c'est mort. Il n'a pas pu tirer son obus fumigène ou il n'a pas fonctionné comme vous voulez. Et donc, voilà, ça ne change pas grand-chose non plus. Je veux dire, des lignes de vue, j'en ai pas non plus 36 000. Ok, donc là, fin réelle de son activation. Bon, alors du coup, mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, je n'ai aucune ligne de vue. Mon blindé qui est ici me casse la ligne de vue en plus. Et mon unité est vraiment bloquée. Ça, c'est un gros inconvénient d'avoir une unité comme ça. Je découvre, hein. Donc du coup je vais devoir l'activer pour rien, et ce que je décide de faire, je mets un jeton d'activation, et voilà, donc ça sera la fin de l'activation de tout mon peloton sur ce deuxième tour de jeu. Et donc toi, il te reste plus maintenant qu'une unité activée, il s'agit de tes observateurs d'artillerie ici présents. Okay. Et c'est très simple en fait, hop, qu'est-ce que tu vas décider de faire avec? Je vais simplement courir avec. Cours pour ta vie, cours! Donc je fais un mouvement de 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, je me mets là, c'est vraiment histoire de... Sur un malentendu. Sur un malentendu. Pour dire, vous m'aviez pas... De toute façon, je m'attends pas à ce qu'il survive au prochain tour. Ok, ceci met fin au deuxième tour de jeu, on va pouvoir attaquer le troisième tour de jeu. Yes, et encore, rien n'est encore joué dans cette histoire. Ok, donc nous passons au tour 3, c'est tendu du string, donc j'ai d'initiative, là il ne lance plus que 3 dés, puisque son héros a quitté la table de jeu. Hop, alors je fais un symbole de bouclier, tu fais une cible et 2 boucliers, donc ça veut dire mon lapin que je vais avoir l'initiative. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec hop. Et du coup, ce que je vais faire, je vais relancer 3D pour voir si les conditions météo s'appliquent sur ce troisième tour de jeu. Et ben non, il ne sont pas cible. Non. Ah non, mais c'est deux symboles. C'est deux en plus, symboles. Il est aveugle. Je pense que c'était les symboles. Il y aura pas les symboles. Derrière météo, c'est les cibles. Les cibles. Voilà, c'est comme ça, c'est original. Bon, du coup, il n'y aura pas d'effet météo pour cette game, visiblement. Ok, le temps de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Donc du coup, je décide d'activer mon flammeloteur ici présent. Déjà, pour commencer, je vais lancer mes 2 dés pour voir si je peux me retirer le symbole, la condition under fire. Donc c'est bon, je l'enlève. De toute façon, hop, donc j'ai bien mes 2 points d'action, de toute façon ça ne change rien. Donc je vais faire un mouvement de 2, donc première diagonale gratuite, deuxième mouvement je mets ici. Ah mon dieu, après je rappelle que je peux me réorienter dans toutes les directions. Et là je vais mettre le paquet sur ces enfoirés qui sont ici. Donc du coup je vais utiliser le lance-flamme, effet blast. Ça ne sera pas une attaque soutenue, donc ça ne sera pas relançable. Et je vais utiliser mes 2 mitrailleuses sur lui. Donc c'est parti, à moins que j'utilise ma mitrailleuse qui est ici, en tourelle sur eux, parce qu'ils sont, même s'ils sont camouflés, ça ne fonctionne plus, parce que je suis à portée je suis à 1, 2 portées, 2, donc là je les vois, leurs compétences camouflage ne fonctionnent pas. Donc je vais utiliser ma mitrailleuse sur eux, plus mon lance-flamme sur eux. Je vais commencer par l'effet blast. Alors l'effet blast sur l'infanterie devant 1, c'est 2 effets blast. Portée 2, c'est bon. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais lancer 6 dés. Je vais pouvoir le faire 2 fois. C'est parti. Premier lance-flamme. Je fais une touche. Deuxième lance-flamme. Alors, sachant que j'ignore les sauvegardes d'infanterie, les couverts. Et c'est quoi le reste déjà? Et vous êtes sous suppression. Et je refais 2 touches. Ça, c'était pour le lance-flamme. Donc déjà, à mon avis, là, c'est 2 pertes d'assurés d'office ou 2 points sur ton héros. Ensuite, la mitrailleuse. La mitrailleuse est portée de 6. Je vais lancer 7 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 dés. Et je fais 3 touches. Mais là, par contre, tu vas pouvoir faire fonctionner ton couvert sur ces touches-là. Et enfin, sur eux, je tire avec la mitrailleuse 7 dés également.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je fais 3 touches sur eux. Alors, du coup, pour la résolution des tirs. Eux, déjà, il y a 2 touches qui sont d'office assignées puisque c'est fait avec le lance-flamme. Donc, 2 dommages que tu dois répartir. Tu peux pas les annuler. Je vais les mettre sur le héros. Hein. Donc, il a combien de points de vie ? 5 PV. 5 PV. Donc, il ne restera plus que 3 points de vie. Maintenant, tu fais ta sauvegarde sur 3 touches. Tu bénéficies de ton couvert. Donc, tu vas pouvoir annuler sur bouclier et symbole. C'est parti. Donc, il y en a 2 qui passent. Donc, tu perds encore, tu encaisses encore 2 points de dommage. Il ne reste plus qu'un PV. Donc, tu as tout mis sur ton héros, sachant que, du coup, ils sont sous suppression. Ok. Et enfin, tu fais ta sauvegarde sur tes observateurs. Bon, c'est vrai que là, franchement, ça coûte que 2 points de vie. Sauvegarde infanterie, sur symbole, bah, ils sont morts. D'accord, donc ils ont été fumés. Ça, c'est fait. Ok. Fin de l'activation de mon flamme lutteur. Ok, bah, logique, hein. Tu vas activer ton. Voilà, c'était voilà. Squad-là. Donc, ils sont sous suppression, mais tu lances quand même les 2 dés. Bah, j'enlève. Donc, ils repassent sous le feu. Et je fais. Under fire! Et tu sors, ouais, voilà, ouais, voilà. Donc, ça te fait combien de points supplémentaires déjà, du coup ? Donc, 10, 13. 13 au total qui sortent là. Ouais. Ok. Ok, donc je vais activer Panzer Prince. Donc, je vais lancer le dé pour voir Das, pour voir si j'obtiens une troisième action. C'est bon, j'aurai 3 actions. Donc, je vais faire un mouvement. 2. 1, 2, ça me ferait venir ici. Maintenant, reste à savoir si je vais avoir. J'aurais bien la ligne de vue sur ton blindé qui est là. C'est ce que je vais faire. Donc, 1, 2. Et je vais déclencher une attaque soutenue sur ce blindé qui est ici. Donc, c'est un blindé de rang 3, nous sommes d'accord ? Ouais. Ok. Donc, si je ne m'abuse, je mets le jeton d'activation déjà direct dessus. Panzer prise sur un blindé de rang 3, il lance 2 dés en attaque soutenue. Et si je te touche, c'est mort subite. T'as pas dommage résilient dessus. C'est parti. Bon, boum, ça touche. Bah, mort subite. Et boum, mort subite. Donc, tu prends l'intégralité de tous tes points de vie. C'est mort. D'accord. Donc, il est détruit. Comme ça. Voilà. Ok, fin de l'activation du claque de terre piloté par Panzer Prince. Ok, donc tu décides d'activer le PT. Non, c'est pas un PT. Non, c'est Nina. Nina. Tu décides d'activer ton Nina. Ok. Ouais. Par contre, ouais, ok, d'accord. Donc il est sous suppression. Tu lances 2 dés pour voir si tu arrives à balancer la suppression. Oui. Donc c'est bon, tu passes Under Fire. Donc c'est bon, tu as tes 2 points d'action. Alors tu recharges. Tu recharges, première action. Et deuxième action. Bah, je vais tirer les roquettes sur lui. Ouais, tu l'envoies. Même machine gun sur eux là-bas. Donc on est bien à portée. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Très bien, tu commences par qui ? Par le blindé. Ok. Donc ça, en 5, je lance 3 dés. Ok. Et là, il fait très très mal, on l'a vu en plus. 3 dés et 5 dégâts à chaque fois. Donc, sachant là, que là, j'ai aucun couvert en plus, ouais. Hein, je n'ai pas aucune protection. Absolument, de toute façon, j'arrive à te le péter, sinon, c'est bon. C'est bon, une touche passe, donc effectivement, il explose, il se fait fumer par le blindé qui est ici. Ok. Ensuite, la machine gun sur du rang 3, elle fait 4 dés seulement. Ouais, 4 dés. Donc c'est sur du symbole, tout simplement. Et je t'en fais un. Une touche. Donc je vais faire fonctionner déjà la sauvegarde de couvert grâce au palmier. Ouais. Je fais une cible, c'est raté. Donc je vais relancer le dé parce que là j'ai mon damage résiliente. Symbole. Et c'est bon. Bon, j'encaisse. Par contre, je me retrouve sous le feu. Tu mets ton jeton. Ouais. Activated. C'est bon, ça c'est fait. Donc moi, du coup, c'est bon, vas-y. Je vais activer mon escouade anti-tank de grenadier lourd et je vais faire une tire soutenue sur le blindé qui est ici. Parce que bah, lui, il a dégagé enfin. Donc, pour rappel, hein, c'est du rang 3, c'est ça ? Ouais. Donc, je lance un dé et je fais 4 points de dommage si je touche. Donc, je premier tir, raté, je relance mon échec, ça touche. Donc, il se prend 4 points de dégâts dans les dents. D'accord. Donc, dommage résiliente. Oui. 4 points de dommage annulés sur le dommage résiliente. Il a déjà perdu un PV.
Ok. Donc en fait, il faut que je réussisse 2G pour le sauver. Parce qu'il a combien de points de vie, lui ? 4. 4 points de vie, ouais, parce que donc, il lui reste 3. Donc il faut en fait que je fasse 2 symboles. Hein, on est bien d'accord ? Ah, vas-y, lance tes 4 dés. Et t'en fais qu'un. J'en en fais qu'un. Donc là, je prends 3 dégâts et il est détruit. D'accord. Boum. Donc, activation terminée de mon escouade. Okay. Donc du coup, tu décides d'activer quoi ? Red Rain. Ok. Donc je vais faire un mouvement de 2. 1, 2. Ouais. Oui, t'as pas le choix à cause de l'épave. Ok. Et je vais tirer à 4. Comme ça ne sert pas à grand chose en fait. Le gaufrier, le tu te déplaces de deux avec eux, hein. Ouais, je vais pas très vite. Donc, attends. Je vais reculer demain. Je vais faire juste un mouvement demain. Ouais. Comme ça, en fait, je vais mettre un fumigène ici. D'accord, tu mets un smoke. D'accord. Ok, ça marche. Par contre, je te rappelle, du coup, tu dois lancer un dé et sur symbole de faction ou cible. Voilà. C'est parti. C'est bon. C'est bon. Donc, tu peux placer tes smokes à ce niveau-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Je rappelle que cet homme est pas content. En fait, je vais les mettre comme ça. Ok. Ah oui, t'as raison. Donc, fin de l'activation de ton blindé d'artillerie mobile. Ok, alors moi, je vais jouer l'escouade de Lara. Je suis sous le feu, donc je vais lancer 2 dés pour retirer sous le feu. C'est bon. Donc, elle n'est plus sous le feu. Et je vais dépenser ces 2 points d'action pour pouvoir faire un mouvement de 3, 1, 2 et 3. Je me mets ici. Je me mets ici. Je me mets là. Et fin de son activation. À toi de jouer. Dis-moi alors. Alors je vais jouer mon escouade de commandement. Ouais. Et je vais, donc je peux traverser mes tout ça là. Je peux le traverser. Hein. Oui. On est d'accord. Donc je vais faire un mouvement de 5. Je cours. Faites les 2 actions. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens là. Ça marche. Il a joué la moto, il n'a pas pu tirer. Il a tu l'amènes dans le chaud. Au chaud et t'embrasse. Ouais, ouais, tu fais ça avec un sèche-cheveux, ça marche plus. Ok. Ouais, première tentative de réaction. Donc, tu fais quoi? Ah ouais, d'accord. Okay, mon vas-y. Avantage de peloton. Ça marche puisque chez moi c'est sur cible. Vas-y. Donc, je vais activer Lara. Et Lara, elle va faire activer sa compétence Move and Fire. Donc, je peux réaliser une action de mouvement avant ou après une action avant ou après une action de mouvement. Donc, je vais faire un mouvement. 1, 2, viens ici. Donc, elle est réactivée, elle sort du brouillard, elle émerge du brouillard. Et je vais faire une attaque soutenue sur eux dans les palmiers. D'accord ? Pourquoi une attaque soutenue ? Parce que c'est ma compétence Move on Fire. Je rappelle, peut réaliser une action gratuite de mouvement avant ou après une attaque soutenue. D'accord. Bah vas-y. Attends, je vois le truc. Réaliser une action gratuite de mouvement, donc simple, hein, donc de 2, avant ou après une attaque soutenue. Ah ouais, d'accord, bon, c'est avant l'attaque soutenue. Donc c'est parti. Donc je fais, tac tac, je vais commencer par Lara. Lara qui va lancer 12 dés, donc 24 au total. Relançable. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc première salve, relançable avec Lara. Donc ça va faire 4 touches. Je relance. Les Nice. Ça fait 3 touches supplémentaires. Deuxième salve, 12 dés. Donc ça fait combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 touches, d'accord ? 7 touches. Oh putain, voilà, c'est un super jet de la mort qui tue. Tout ça en touche. Je relance les 3. Ça fait 1 de plus. Donc là, ça fait 2. 4, 6, 8, 9 touches avec Lara. Ensuite, je lance la première salve de mes grenadiers. Ça fait 4. 3, 7 dés. 5,
6, 7, 8, 9 encore. Deuxième heavy grenadier. 3. Je relance les miss. Hop. Ça fait encore. Putain, ça fait un paquet de touches. Mon reste, laisse tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 touches. Et le dernier, dernière salve. Ah, c'est le dé ou quoi ? 10 touches. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, plus. Hop, 2 de plus. Donc là, ça fait un total de 2, 4, 6, 8 touches. Putain, ça fait combien de dés au total ? Je ne sais pas compter. Bon, c'est, je lance les dés, mais à mon avis. C'est 4 matins, on est à. On a un erratin sur la règle. Donc, là, c'est, donc tu annules sur bouclier et symbole parce que tu as le couvert. Bon, bah, ouais, un paquet de cibles. Hein. Ouais, ils sont morts. Ils ont été complètement fumés. Quoi. Donc là, ça. Avec 50 dés. Ouais, c'est clair. Non, non, mais là, c'est clair. Je peux rien faire. C'est vrai que putain, je crois que c'est. Bah, le problème, c'est qu'elle je crois que c'est la seule unité qui est capable de faire ça en fait dans toutes les armées. Elle peut bouger et puis faire une attaque soutenue derrière. Donc ouais, c'est ça. À 40-50 dés, tu fumes n'importe quoi. Si elle fait une action de mouvement, elle peut faire une attaque soutenue avant ou après. Et si elle fait une action de marche, elle peut faire une attaque simple. Donc elle peut. Bon, la marche c'est pas très intéressant parce qu'elle se déplace que de 3. Mais 2 c'est largement suffisant. Quoi. Donc voilà. Et du coup, toi t'as tout joué. Hein. Ouais, donc de toute façon j'ai perdu, on peut rater. Hein, et tu es, Ouais, parce que là on va arriver au 4ème tour de jeu. Il resterait ce blindé à jouer, sachant que toi t'as pas activé tes unités de réserve, hein. T'en avais 2 et tu les as pas jouées. Hein. Ok. Donc voilà. Donc en fait, bon bah résultat, le PLA n'a pas réussi à percer les lignes. On va dire que c'était un défaut de renseignement militaire, dans le sens où effectivement ils sont tombés sur du très lourd en défense, en position de défensive. C'était des grenadiers lourds. De toute façon, c'est pas la première fois que on fait une partie où les grenadiers lourds se retrouvent en position de défense sur une game. Et on a vu que là, pour l'autre en face, c'est vraiment c'est la souffrance pour pouvoir arriver sur les objectifs. Voilà. Après, c'est les dés, on va dire, qui ont aussi déterminé le fait que ce soit moi qui me suis retrouvé en défense. Bah, t'as pris 3 fois l'initiative, en fait. Et en plus, j'ai pris 3 fois l'initiative. Et en plus, lui, il a été très très chiant pour ton armée, parce que il était tout seul. Mais au début, il y avait une escouade de heavy, mais il était tout seul et a réussi à faire tampon. Ça a créé un petit peu un embouteillage là. Et c'est vrai qu'en fait, vu ton armée, elle est fragile. Donc tout reposait sur la rapidité d'exécution pour pouvoir traverser la ligne. En fait, on va dire, ils ont essayé de percer la ligne, on va dire, par surprise. Et puis, ben, en fait, ça ne s'est pas joué. Sachant qu'aussi, Benoît, l'effet météo n'a pas non plus joué. Ouais. Et je pense que, ce que je te disais tout à l'heure en off, s'il y avait eu cet effet météo en jeu, ça aurait pu t'aider sur, parce que ça t'aurait rajouté des sauvegardes supplémentaires. Ce qui m'a fait perdre, en fait, c'est que tu as eu 3 fois l'initiative. À aucun moment, j'ai pu jouer avant toi. Et ce monstre-là, il m'a trop emmerdé, en fait. Et pourtant, c'est un brin. Si j'avais eu au moins une fois l'initiative à eux deux, j'aurais pu le fumer et puis passer. Ouais. Mais le problème, c'est que comme en fait, tu as toujours eu l'initiative, ça tue un truc. Quand tu as tout concentré sur le front droit dès le départ et que j'avais que ces 2 unités, c'était vraiment mon côté le plus faible, c'est vrai que je me suis dit, putain, s'il tient pas la ligne, lui, c'est bon, ça va être le boulevard du dimanche. J'ai une idée pour toi. J'ai eu l'idée. Et alors là, par contre, c'est vrai que l'histoire des mecs dans le bunker, si ils ont quand même réussi à fumer, hein. Ils t'ont fumé le blindé qui était là, et je sais plus ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un tir aussi. Je crois que c'est en début de game, on reverra ça sur la vidéo. Ouais, voilà. Mais bon, par contre, ils sont statiques, quoi. Ils peuvent plus bouger. Ils ont pas fait grand-chose. Non, surtout c'est lui. C'est lui qui m'a gêné, en fait. Ouais. Le fait que j'ai pas l'initiative malgré mes 4 dés. Moi, ce que je te proposerais, franchement, ça sera sur une prochaine game, certainement filmé. On rejouera ce scénario, on jouera pas les réserves, parce que je vois que ça t'a. Ou si, on les jouera si tu veux, parce que je sais que les réserves, c'est un petit peu. Enfin, ça t'a un peu emmerdé. Du coup, moi je passerai en attaquant et toi en défense.
Et on verra un peu. Je pense que la souffrance sera inversée, quoi. Donc voilà, fin de la game. Et puis bon, bah, n'hésitez pas hein, à lâcher vos commentaires, à faire des suggestions, ce genre de choses. S'il y a eu des erreurs de règles de jeu, bah, désolé d'avance. Hein, faut pas hésiter à nous les signaler. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme d'hab, à liker, vous abonner, actionner la petite cloche. Et voilà, pour revenir plus souvent. Ben Benoît, merci à toi. Hein. De rien. On peut pas toujours gagner. Hein. Je rappelle quand même que Benoît m'a déjà fumé pendant certaines parties. Là, non, j'ai jamais gagné avec eux. Si, t'as gagné. Quoi ? Oh, la mauvaise foi. Quoi ? Tu vas brûler en enfer, toi. J'ai fait. Si, on en a. Alors, c'était peut-être pas moi qui l'ai joué. Je crois que c'était peut-être l'autre Benoît, tu sais, notre Benoît, qui ont fait un petit coucou, là, tu sais, qui est parti à Mayotte. Il me semble que c'est lui qui a joué les Vies Grenadiers. Et moi, je sais que j'ai gagné contre toi, mais au fil du rasoir. Ah oui, après, c'est jamais une grosse défaite. J'ai gagné contre toi au fil du rasoir. C'est une grosse défaite, mais il manque pas grand-chose. Et le problème, c'est qu'avec ces unités-là, comme moi, j'ai de la troupe de rang 1. Après, ce qui serait. Dès que tu tires dessus. Ce qui serait peut-être intéressant aussi, parce que je sais que tu as cette armée, c'est le Steel Guard. Et peut-être jouer le Steel Guard en attaque contre du Heavy Grenadier et voir un peu. C'est plus pareil. Hein. Là, c'est toi qui vas pleurer, hein, parce que toutes tes armes sont du rang 4, tu fais pas 40 tirs. Ah, ça c'est clair. Et j'ai le droit à ma sauvegarde bouclier, ouais. Symbole, ouais. Et un insensible. Bah, je pense que là, les conditions météo seraient plus à mon avantage. Ouais, à la limite, j'aurais même pas fait de soin refusé, je serais venu ici, quoi. Devant tes trucs, et puis j'aurais avancé droit devant. Ah, oui, bah t'aurais fait le. Comment on dit, tu sais. La moissonneuse batteuse, quoi, on va dire, en avant, quoi. Là, les PLA sont bien, après, ils sont fragiles. Mais la preuve, c'est vrai que la preuve. C'est les Heavy Grenadiers me posent problème, quoi. Dès que tu tires sur de l'infanterie. Ouais. Ah, surtout, après toi, jouer souvent contre du Heavy, puisque, comme je te disais, hein, j'ai reçu de nouvelles commandes, hein, même si on a vachement de mal à s'approvisionner actuellement. J'ai pris une deuxième escouade comme ceci, là, d'anti-tank. Hein. Que j'ai reçu et une deuxième escouade de commandement. Et j'arrive à. Par contre, j'ai moins de blindés, j'aurai qu'un gros blindé, mais je serai à 110 points d'armée pile. Voilà. Donc à jouer sur un scénario. Après, je veux dire, tu sais, on joue nos armées, je veux dire, voilà, c'est pas dans un but d'optimisation. Hein. Après, aussi, le scénario est compliqué aussi. Hein. Lui aussi, j'ai pas eu de chance. Au moment où j'aurais pu mettre un fumigène là-bas. Bah, je tiens quand même à te signaler que tes observateurs d'artillerie ont servi à rien en fait sur cette game. Mais bon, après, c'est une liste que j'avais fait polyvalente. Normalement, oui, c'est une armée polyvalente. Mais en fait, on voit ses limites. Elle est peut-être polyvalente, c'est vrai qu'elle joue très bien sur les objectifs, parce qu'elle est quand même très rapide, hein, on va pas se mentir, j'aurais pris d'objectifs. Mais on voit bien que pour aller faire une attaque en profondeur, hein, si tu me permets l'expression, dans les lignes ennemies, il te manque de la puissance de feu, on va dire. Pourtant, t'as les smokes, t'as le damage résiliente, t'as quand même pas mal de trucs. C'est l'initiative en fait qui m'a pêché. T'as eu l'initiative pendant 3 tours. C'est vrai qu'au troisième tour de jeu, ça m'a handicapé, j'ai pas pu. Regarde, au second tour, j'ai eu l'initiative, je faisais une attaque soutenue, ton mec. Ah oui. Mais pour moi, c'est lui qui. Je suis d'accord avec toi. C'est lui aussi qui a fait la game quelque part. Ouais, hein. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il résiste aussi longtemps. Après, comme je disais, c'est un blindé, effectivement. Bah, tire à distance que dalle, hein, mes couilles. Par contre, dès qu'il arrive en contact, il peut faire vachement de dégâts, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoute, Benoît, hein, au plaisir de se refaire une game rapidement, quoi. Pas de problème. Ciao, ciao.